day that the Lord has made. Ceci est le jour que l'Éternel a fait. We shall rejoice and be glad in it. Nous en réjouir et être dans l'allégresse. We are too, so excited to come your way this morning, the first day in the month of November 2022. Nous sommes très excités de venir vers vous en ce premier jour du mois de novembre 2022. The 11th month of the year. Le 11e mois de l'année. God has commanded us to bless you. Dieu nous a commandé de vous bénir. So we say this morning you are blessed. Alors nous disons ce matin vous êtes bénis. Your family is blessed. Votre famille est bénie. Your business is blessed. Vos affaires sont bénies. Your body is blessed. Votre corps est béni. God has given you this 11th month. Dieu vous a donné ce 11e mois. In order to give you 11th hour miracle. Afin de vous donner le miracle de la 11e heure. It shall be to you and your family November without disaster. Ce serait pour vous le mois de novembre sans désastre. In this November there shall be no evil emergency in your family. En ce mois de novembre il n'y aura pas d'urgence dans votre famille. You shall not shed tears of sorrow and pain this month. Vous n'allez pas verser des larmes d'amertume et de douleur en ce mois. Your enemies shall not laugh the last laugh over you this year. Vos ennemis ne riront pas le dernier rire en vous ce mois. Your enemies shall not write the last chapter of your life this year. Vos ennemis ne vont pas écrire le dernier chapitre de votre vie cette année. You shall see the end of 2022. Vous verrez la fin de 2022. 2022 shall not see your hand. 2022 ne verra pas votre fin. 2022 shall not see the end of your children. 2022 ne verra pas la fin de la vie de vos enfants. 2022 shall not see the end of your business. 2022 ne verra pas la fin de vos affaires. 2022 shall not see the end of your husband. 2022 ne verra pas la fin de la vie de votre mari. The woman with the issue of blood saw the end of her sickness. La femme à la perte de sang a vu la fin de sa maladie. Oh, by the spirit of the Lord we prophesy to you this morning. Par l'esprit de l'Éternel nous prophétisons. That sickness shall not see your hand. Cette maladie ne verra pas votre femme. But you shall see the end of that sickness. Mais vous verrez la fin de cette maladie. Like Joseph. De la même manière que Joseph. The same place where people have mocked you. Au même endroit là où les gens se sont moqués de vous. That same place people shall celebrate you. À ce même endroit les gens vont vous célébrer. Whatever has put tears in your eyes. Tout ce qui a mis des larmes sur vos yeux. Shall also put laughter into your mouth. Aussi le rire sur votre bouche. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Those who are asking you. Ceux qui vous posent la question. Can anything come out of your life? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de votre vie? Can anything come out of the life of your children? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Can vie de anything enfants? Come out of the business that you are doing? Est-ce que quelque chose peut sortir des activités que vous the faites? The same people. Les mêmes personnes. Shall see the glory of God. Verront la gloire de Dieu. And shall see the greatness of God. Et verront la grandeur de Dieu. In your life this month. Dans votre vie ce mois. Where men have rejected you before. Là où les hommes vont vous ont rejeté. Where men has humiliated you before. Là où les hommes vous ont humilié avant. Heaven will bring celebration to you there. Le ciel emmènerait la célébration là-bas. As many were saying. De la sorte que plusieurs. Where is your God? Où est votre Dieu? In this 11th month, dans ce 11e mois, they shall see your God at action. Ils verront votre Dieu en action. Where people have told you before, go away. Là où les gens vous ont dit, this 11th month, dans ce 11e mois, they will call you and say, come and take. Ils vont vous appeler pour dire, venez. Where prendre. People said to you before, là où les gens vous ont dit avant, no way, il n'y a pas de chemin, no pour place vous. For you, il n'y a pas de place pour they vous. They will call you back. Ils vous appelleront. They will say, come and take your ils place. Ils diront, revenez et prenez votre place. They will tell you there's a vacancy for you. Ils diront qu'il y a un espace pour vous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. All your secret shame, toutes vos hontes secrètes, your secret tears, vos larmes dans le secret, shall be turned to public testimonies. Seront tournées en des témoignages in publics. In the name of Jesus, those who have asked you, ceux-là qui vous ont posé, where la question, is your God? Où est votre Dieu? Shall join you to sing the song of praise and hosanna to your God. Ils vont se joindre à vous pour chanter de louanges. Oh, get set for 11th hour miracle. Soyez prêts pour le miracle. Because God reserved the best for the last. Parce que Dieu réserve le meilleur pour la fin. He said he crowned the year with his goodness. Il dit qu'il couronne l'année avec sa bonté. And our path drops fatness. Et nos chemins s'agrandissent. Oh, this month expect a fat blessing. En ce mois espérez des grandes expect bénédictions. Expect a fast testimony. Espérez un témoignage expect rapide. Expect a fat and a fast miracle. Espérez un grand et un miracle for rapide. For our God is able parce que notre Dieu est capable to do exceedingly de
abundantly, above that we can ask or imagine, beyond your thinking, beyond your expectation, there shall be great manifestations in your family. They shall congratulate you this month. In your business, they shall congratulate you this month. In your place of work, as they are giving you promotion letters, they shall congratulate you. In your family, among your peers, they will congratulate you. We decree and declare by the Spirit of the Living God, this month no evil emergency, but there shall be sudden and strange blessings in the name of Jesus. Every blessing carrying your name, carrying your address, shall finally locate you this season. Oh, favor shall locate you. Helpers shall locate you. Breakthroughs shall locate you. Open doors shall locate you. God shall surprise you. Dieu va vous surprendre. And silence your mockers. Et il va rendre silencieux vos moqueurs. Those who are biting you and blowing it. Ceux-là qui sont en train de vous mordre et en train de heaven shall expose and disgrace them. Every evil man. Toute mauvaise personne. Every unfriendly friend. Mauvais ami. Every household enemy. Tout ennemi de l'intérieur. Shall be exposed and disgraced this season in your life. Cette saison dans votre vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I don't know how you began this year. Je ne sais pas comment vous avez commencé. But you will end this year. Yes. Singing and dancing, jumping and celebrating. You have cried before, but you will not cry again. You have wept before, you will not weep again. This season, your weeping is over. Your crying is over. Your bitter experience is over. Welcome to your season of celebration. It shall be your month of hallelujah. Every day of this month, it shall be hallelujah all the way. Every week of this month, it shall be hallelujah all the way. It shall be your month of victory at last. In the name of Jesus, God has commanded us to bless. And who can curse whom the Lord has blessed? And who will not bless whom the Lord has blessed? From this hour, everyone that bless you is eternally blessed in the name of Jesus. Anyone who curses you, anyone who curses your children, anyone who curses your business, they will never survive the curse of God. In the name of Jesus, God will fight for you this month and he will give you rest on every side. He will lay your enemies to rest, my armies. He said, there's no enchantment against Jacob. No divination against Israel. Is the one that is appointed the devices of the crafty. That their hands cannot perform their enterprise. Is the one who makes the divine as mad. Anyone who has reported you to evil priests. Who has carried your name to evil altar, who is carrying evil sacrifices concerning you, your business and your family, they shall see the wrath of God this month. Anyone who fly at night for your sake, who goes to bed to fly to report you in any coven, because the hand of God is upon your life, as they sleep and they desire to fly concerning your sake, they shall sleep the sleep of death. Anyone who project evil arrow in your direction, as they send it to you in one way, heaven will return it back to them in seven ways. Anyone who dig evil grave for you, anyone who purchase evil coffin for your sake, or for the sake of your children, they shall be buried in that coffin by themselves. Anyone who stretch evil hands to beat you and your family, their hands shall wither. Their hands shall beat themselves. Any evil eyes,
mauvais œil. Monitoring that pregnancy in your womb. Qui est en train de surveiller monitoring your children. Qui est en train de surveiller monitoring your business. Qui est en train de surveiller tes monitoring your family. Qui est en train de surveiller ta famille. They shall go blinded. Ils vont s'aveugler. Anyone who has gone to sow evil cloth. Toute personne qui est partie. The cloth of mourning and of sorrow for you. De deuil et d'amertume. They shall wear the cloth by themselves. Ils porteront ces vêtements eux-mêmes. From this hour. À partir de cette heure. Begin to enjoy sorrow free life. Commence à jouir d'une vie sans amertume. Your bitter experience is finally les over. Tes mauvaises expériences sont finies. Thus says the Lord. Ainsi dit l'Éternel. To you this morning. À vous ce matin. That situation will end in joy. Cette situation va se terminer it en will joie. Turn around for your testimony. Ça va tourner en un témoignage. We serve a God of strange wonders. Nous servons un Dieu de merveilles. That fetches water with basket to disgrace the bucket. Il puise l'eau avec le panier pour We serve a strange God. Nous servons un Dieu étrange. A strange God that performs strange wonders. Un Dieu étrange qui accomplit des choses is étranges. A God that fetches water. Un Dieu qui puise l'eau. With basket to disgrace avec the bucket. Le panier afin d'ennuyer. We serve a strange God. Nous servons un Dieu étrange. That breaks palm kernel with egg to disgrace the stone. Qui brise le noyau avec l'œuf afin de ennuyer la pierre. Oh God, shall you use your testimony to disgrace and silence your mockers. Ton témoignage pour ennuyer ceux-là qui te your mockers shall be disgraced and they will run into hiding. Tes moqueurs seront ennuyés et vont fuir pour se cacher. Welcome to your month of 11th hour miracle. Bienvenue dans votre mois du 11e miracle. Welcome to your month of sudden blessings. Bienvenue dans votre mois des bénédictions. Be blessed in the name of Jesus, the Son of the living God. Soyez bénis dans le nom de Jésus Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, we prophesy to your life this morning. Nous prophétisons dans votre vie. In the name of Jesus, the Son of the living God, the custodians of the keys of David, it is the dawning of a new morning for you. Thus says the Lord, remember not the former things. Remember not the former things. Remember not the former disappointments. Remember not the former disappointment and shame. Remember not the former sickness and disease and disappointment. He said, behold, I will do a new thing. I will do a new thing. In your family, new things begin. In your business, new things begin. In your career, new things begin. In your health, in your body, new things begin. In your marriage, it's new things begin. Dans votre mariage, de nouvelles choses vont commencer. Ainsi dit l'Éternel. You may not see wind. Vous ne pourrez peut-être pas voir le you vent. May not see rain. Vous ne voyez peut-être pas la pluie. Yet the valley shall be filled with waters. Mais la vallée serait remplie d'eau. In this season, dans cette saison, strange testimonies, des témoignages étranges, overflowing testimonies, des témoignages débordants. The Spirit of the Lord shall perform it. L'Esprit de l'Éternel l'accomplira. And you shall testify. Et vous allez témoigner. It was the turn of others last month. C'était le tour des autres le mois passé. But now it's your turn to testify. Mais ceci est votre tour it's de your turn to jubilate. C'est votre tour de jubiler. It's your turn to shout hallelujah. C'est votre tour de crier hallelujah. It's your turn to testify. C'est votre tour de témoigner. You will not cry again. Vous n'allez plus pleurer. You have cried before. You will not cry again. Vous n'allez plus pleurer. You wept before. You will not weep again. Vous avez versé les larmes avant. Vous n'allez plus verser les larmes. It's the dawning of a new morning. C'est le commencement d'un nouveau matin. It's the dawning of a new morning. C'est le commencement d'un nouveau matin. It's the dawning of a new morning. Le commencement d'un nouveau matin. So shall it be. Ainsi soit-il. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has great plans for your life. Le Seigneur a un grand plan pour he votre said, vie. I alone moi seul knows the plan I have for you. Connais le plan que j'ai it's pour the vous. Plan of peace. C'est un plan de paix. And not of evil. Et non pas un plan d'amertume. To give you a future. Pour te donner un futur. And to bring you to an expected end. Et pour t'emmener à une fin espérée. That expectation. Cette attente. Will not be cut off. Ne serait pas coupée. It will manifest. Cela se manifestera. He said the path of the just il dit, le chemin du is as a shining light comme une lumière that shines brighter and brighter. Éclaire your testimony monde. Will become better. Votre témoignage deviendra meilleur. Your business will become brighter. Votre affaire va éclairer in the name of Jesus. Au nom de Jésus. There shall be no better yesterday for you. Il n'y aura pas un meilleur hier pour it vous. Shall be from glory to glory. Ce serait de gloire en from gloire. Height to height. Hauteur en hauteur. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. Welcome to your season of testimony.
testimony. Bienvenue dans votre saison de témoignage. Welcome to your season of 11th hour miracle. Bienvenue dans votre saison du miracle. Welcome to your season of a new beginning. Bienvenue dans votre saison du nouveau commencement. Welcome to your season of divine remembrance. Bienvenue dans votre saison de souvenir. God has finally remembered you. Dieu s'est souvenu de vous. And he will visit you. Et il va vous visiter. You lost that pregnancy before. Vous avez perdu cette grossesse avant. You will be pregnant again. Vous serez à nouveau enceinte. You lost that business before. Vous avez perdu cette activité avant. You will start a new one afresh. Vous allez commencer à nouveau. That relationship that did not work cette before. Cette relation qui n'avait pas marché. The new one will work right now. La nouvelle relation marchera maintenant. Don't be afraid. Ne soyez pas effrayés. The God of hosts. Le Dieu is on your side. Est de votre côté. Because God is on your Parce side. Que Dieu est de votre côté. Victory is on your La side. Est de votre côté. Because God is on your Parce side. Que Dieu est de votre côté. Favor is on La your side. Est de votre côté. Because God is on Parce your side. De votre côté. Mercy is on La your side. Est de votre côté. Because God is on Parce your side. Est de votre côté. Breakthrough is on your La side. Est de votre côté. Because God is on your Parce side. Que Dieu est de votre côté. Glory is on La your side. Est de votre côté. Is the dawning of a new morning. C'est le commencement d'un nouveau matin. Is your dancing season. C'est votre saison de danse. Is your season of celebration. C'est votre saison de réjouissance. Is your season of jubilation. C'est votre saison de jubilé. Is your season of congratulations. C'est votre saison de félicitations. Get set. Soyez prêts. From this hour, à partir de cette they will begin to congratulate you. On va commencer à vous féliciter. Get ready. Soyez prêts. From this moment, à partir de ce doors moment, will begin to open for you. Les portes s'ouvriront pour vous. Be ready. Soyez prêts. Destiny help us. Les aides de destinée. That will take you to your high places. Ils vont vous emmener dans les endroits élevés. They shall begin to locate Ils vont commencer à vous localiser. 2022 is not yet over. 2022 is still holding you. Vous doit it encore. Will still pay you. Cela vous payera. With the testimony you are Avec looking le for. Témoignage que vous cherchez. He said, "Behold, I will do a Il new dit, thing." Voici, je ferai une nouvelle chose. He said, "Behold, I will do Il dit, new voici, thing." Je ferai une nouvelle chose. It will begin immediately. Ça va commencer immédiatement. Your eyes will see it. Vos yeux le verront. Your hand will touch it. Vos mains vont toucher. Your mouth will testify of it. Votre bouche va témoigner. You will laugh again. Et vous allez encore rire. You will laugh your best laugh vous this allez year. Rire votre meilleur rire. You will dance your best dance vous this allez year. Danser votre meilleur danse. You will testify année. Your greatest testimony vous allez this year. Votre plus grand témoignage cette année. It's your time. C'est votre temps. It's your season. C'est votre saison. It's your moment. C'est votre moment. God has opened your file Dieu afresh. A ouvert votre dossier. God is ruling the verdict in your favor. Dieu est en train de juger le verdict en votre faveur. Ce cas in the judiciary qui est dans le shall cas be ruled in your favor. Serait traité en votre faveur. That contract Ce contrat will be awarded to you. Vous serez donné. That helper Cette aide will locate you. Va vous localiser. Get ready. Soyez prêt. For what God is set to do. Pour ce que Dieu est prêt He said, behold, Il dit, voici, I will do a new je thing. Ferai une nouvelle chose. He said, the Lord will overturn. Il dit, l'Éternel va and overturn. Et il tournera and overturn it. Et il tournera and encore. Give it to him. Et vous le donnera. Whose turn it is. Parce que c'est votre it tour. Is your turn. C'est votre tour. It is your season. C'est votre saison. It is your time. C'est votre temps. Get ready. Soyez prêt. To dance your best dance. Votre meilleure For danse. God is on your side. Parce que Dieu est de votre côté. Victory is sure. La victoire est sûre. Hallelujah. Hallelujah. That is the word of the Lord concerning you this morning. Ça c'est la parole de l'Éternel vous concernant ce Don't matin. Doubt it. Ne doutez pas. Believe it. Croyez. Rejoice in it. Réjouissez-vous en cette Put parole. It in your heart. Mettez cela dans votre For cœur. For the spirit of the Lord. Parce que l'esprit de l'Éternel perform it. L'accomplira. What the mouth of God has spoken. Ce que la bouche de Dieu a dit. Spirit will perform. God stand by his word. Dieu se tient par sa parole. To bring it to pass. Afin de l'emmener à l'accomplissement. Congratulations. Félicitations. 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 That is your testimony. Ceci est votre témoignage. Welcome. Bienvenue. To a month. Dans le of warrant testimony. Le témoignage de Welcome. Bienvenue. To your 11th hour miracle time. Dans votre heure de la 11e temps du miracle. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. This is still success hour. Ceci est toujours notre heure du succès. From Christ Proclaimers Ministries International. Du ministère des proclamateurs du Christ international. Always known, also known as Celebrities Chapel International. Aussi connu comme la chapelle de célébrités internationales. We come your way every 5 o'clock. In the morning on Tuesdays. Et nous venons vers vous chaque 5 heures du matin les mardis. To teach you the principles of success. Pour vous enseigner les principes du succès. And release the grace upon you to succeed. Et relâcher la grâce au-dessus you de vous. You have failed before you will succeed vous now. Vous avez échoué avant, vous allez réussir. It's your time to succeed. C'est votre temps de réussir. Now in our last episode. Dans notre dernier épisode, we said that life is 1% inspiration and 99% perspiration. Nous avons dit que
la vie, c'est 1% inspiration et 99% that is to say, nothing works in life until somebody works it. Ceci signifie que rien ne marchera dans la vie tant que quelqu'un ne le fasse marcher. Anywhere things are working, partout où les choses marchent, it's because men are at work. C'est parce que les hommes sont en train de travailler. In partnership with God, en partenariat avec Dieu. Anyone who leaves all the responsibilities on God, toute personne qui relâche toute la responsabilité sur Dieu, will not have anything working for him. N'aura rien qui sera en train de marcher so pour lui. So man must work in partnership with God. Alors l'homme doit marcher en partenariat if avec Dieu. He must record success. Si il doit avoir le succès. So it's time. Alors c'est le temps. To partner with God. D'être en partenariat avec in Dieu. In order to succeed. Afin de réussir. However. Alors, we need to also explain a concept. Nous avons besoin d'expliquer un concept. If life is by sweat, si la vie est fonction de la sueur, the truck pushers should have been the wealthiest. Ceux qui poussent les pousses, ils seront les the plus riches. The truck pushers could have been the most successful. Les pousseurs seront les personnes qui ont plus de succès. Because a man may be skillful, parce qu'un homme peut être talentueux, and not be fruitful, et ne pas être fécond. A man may have a lot of certificates. Un homme peut avoir plusieurs diplômes. And not yet be satisfied with the goodness of life. Et ne pas être satisfait avec les bonnes choses de la vie. There are people. Il y a ces personnes. Who are walking like elephants. Qui travaillent comme des éléphants. And they are eating like rats. Ils mangent comme les souris. Some people are working very hard. D'autres personnes travaillent très dur. But the forces of darkness. Mais les forces des ténèbres. Are working against them. Sont en train d'œuvrer contre they eux. They know within themselves. Ils savent à l'intérieur d'eux. That something is fighting them. Il y a quelque chose qui they can't explain what is ils fighting them. Pas expliquer quelle est la chose but they know eux, that they are shadow boxing. Qu'ils sont en train de boxer they dans know ils that invisible powers are contending with their success. Il y a des puissances invisibles qui sont en train de lutter pour leur réussite. Such people know des telles personnes that savent they are fighting a battle in the spirit. Ils sont en train de livrer une bataille and yet, dans l'esprit. They cannot say what is fighting them. Et malgré cela, ils ne peuvent pas dire quelle est la chose qui lutte contre eux. For you today, mais je prie pour as vous aujourd'hui. You labor a little, de la sorte que vous allez travailler un peu. The grace of God, la grâce de Dieu, the favor of God, la faveur the de Dieu, power of God, la puissance de Dieu, will turn that little to much in the name of Jesus. Peu de fort you en will beaucoup. No longer labor in vain. Vous n'allez plus travailler en vain. You will no longer fish in wrong waters. Vous n'allez plus faire la pêche. The hand of God will rest upon you and your business and your family. La main de Dieu se reposera sur vous et vos affaires. You will never suffer again. Vous n'allez plus souffrir. You will begin to enjoy vous life. Vous allez commencer à jouir de la vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. A man can work hard. Un homme peut travailler dur. And still have nothing to show. Et ne rien avoir comme résultat. Sometimes in life. Quelquefois dans la vie. Knowing where you are going. Savoir où vous allez. Is not enough. N'est pas suffisant. You must also know where you are coming from. Vous devez aussi savoir d'où vous venez. Because sometimes in life, parce que quelquefois dans la vie, where you are coming from, d'où vous venez, may affect your speedy arrival at where you are going. Peut affecter votre vitesse d'arriver à destination. It's not enough to just know where you are going. Ce n'est pas seulement suffisant de savoir où you vous also allez. Need to know where you are coming from. Vous avez aussi besoin de savoir votre origine. You have to understand the prevalent event in your background. Vous devez comprendre quels sont les événements prédominants dans votre origine. You have to take time to study the history and the patterns of occurrences in your family. Vous devez prendre le temps d'étudier l'histoire ainsi que les modèles des choses qui se produisent dans votre famille. Where I came from, there's a proverb. D'où je viens, il y a un proverbe. That a woman is walking with big load on her head, but she has a bad leg. Alors, une femme qui marche avec un fardeau sur sa tête, mais il a des mauvais pieds. And people were asking. Et les personnes la posent. Why are you walking and the load on your head is bent? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de marcher et le poids sur votre tête? And the woman responded back. La femme a répondu. He said, "Don't look at the load on my head." Elle dit, ne prêtez pas regard sur le fardeau sur ma tête. He said, "Look at my feet." Elle dit, regardez mes pieds. Look at my feet. Regardez mes pieds. The Holy Scripture speaking. Les saintes écritures. He said, "If the foundation be destroyed, si la fondation est détruite, what can the righteous do?" Qu'est-ce que le juste peut so faire? So which means, alors ceci veut dire, if there are wrong and evil foundations, s'il y a une mauvaise fondation, a man may labor and labor in vain. Un homme peut travailler et travailler en vain. Have you wondered? Est-ce que vous vous êtes pas posé la question? Some people are not as intelligent as yourself. Certaines personnes ne sont pas aussi intelligentes. Not as hardworking as yourself. Pas aussi des personnes qui but travaillent they are breaking through. Mais ces personnes you are more intelligent. Vous êtes plus intelligent. You left school with first class. Vous avez quitté l'école you work harder.
Vous travaillez you are a great strategist. Vous êtes une personne qui stratégie. And yet nothing is working for et you. Et rien ne marche pour vous. Behind those occurrences. Derrière tous ces événements. There are issues at the foundation. Il y a ces choses qui sont à la fondation. If you don't deal with them. Et que si vous ne traitez pas avec if you don't deal with them. Si vous ne traitez pas ces choses. Success may be elusive to le you. Le succès sera illusif pour vous. Have you wondered sometimes? Est-ce que vous vous êtes pas émerveillé quelquefois? You ask yourself. Vous vous posez la question. I've done all I'm supposed to do. J'ai fait ce que j'étais censé faire. And yet nothing is working. Et malgré cela, rien ne marche. It is because you lack understanding. C'est parce que vous manquez la compréhension. That life is more spiritual. Que la vie est plus spirituelle. Than physical. Que physique. Until you engage the spiritual component. Tant que vous engagez le composant physique spirituel. The physical one may be elusive. Le composant physique sera illusif. Life is more spiritual than physical. La vie est plus spirituelle que physique. And either directly or indirectly. Et que ce soit directement. Everybody understand this principle at least on the surface. Toute personne comprenne ce principe au moins dans la surface. Have you asked yourself? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir? There are people who have PhD in law. Il y a ces personnes qui ont le doctorat en loi. There are people who have PhD in medical science. Il y a ces personnes qui ont les doctorats dans la science. There are great people who have PhD in sociology, psychology, political science. And yet such people, mais de telles personnes, they get to a level in life, ils arrivent à un certain niveau they understand ils comprennent that they cannot rise beyond that level ils ne peuvent pas se lever au-delà de ce niveau until they seek the help of the spiritual component. Ils ne cherchent l'aide du composant spirituel. Even people who are musicians, même les personnes qui sont des musiciens, talented superstars, les personnes qui sont talentueux, they qui sont get to a level, ils arrivent à un certain they know niveau they cannot rise beyond that level ne peuvent pas se lever until de ce they niveau, are aided by spiritual forces. Ils ne soient aidés par des forces spirituelles. So you see a man, alors vous verrez un homme, a big professor in the university, un grand professeur dans l'université. He will travel distance into the bush. Il va voyager des distances dans la forêt. To go and meet a marabout in one jungle. Pour aller rencontrer un marabout dans une he des may have to pack part. His calf 2 miles and begin to trek. Il doit peut-être garer sa voiture. And he gets there, they tell him, enter with your back. Et il arrive là-bas, on lui dit, il faut rentrer par le dos. And with all his degrees, et avec tous ses diplômes, they tell him, sit down the floor. On lui demande de s'asseoir. He will obey all the instructions. Il va obéir à toutes because ses he has come to a realization est venu à réaliser that his certificate is not enough. Ses diplômes ne sont pas suffisants. Wow. Pourquoi? Wow. That will show you cela va nous montrer that no matter how much of the sociology we study, que peu importe la sociologie que nous étudions, no matter our certification, peu importe nos diplômes, we need the spiritual component. Nous avons besoin du composant spirituel. In order to, for us to fulfill destiny, afin que nous soyons en mesure d'accomplir notre because destin. The spiritual, parce que le spirituel, is the womb of the physical, est les entrailles du physique. The spiritual, le spirituel, is the mother of the physical, est la mère du physique. Sometimes even as Christians, quelquefois en tant que chrétiens, we pass through a T junction. Nous traversons peut-être un rond-point. We kick at some sacrifices we see at the T junction. Alors nous jouons certains sacrifices que nous voyons là-bas. And we say nonsense. Et nous disons n'importe quoi. It's not nonsense. Ce n'est pas n'importe it quoi. May look like a nonsense. Ces choses peuvent but those who put the sacrifice at the T junction. Mais les personnes qui ont placé le sacrifice. They understand that they require the help of spirit. Ils comprennent qu'ils ont besoin de l'aide de l'esprit. In order for them to gain leverage and to be able to rise afin alive. Afin qu'ils aient de l'équilibre afin d'être en mesure de s'élever dans la vie. So at the end of the day, et à la fin, such people may even gain upper hand on an ignorant Christian. De telles personnes peuvent être dominantes sur des chrétiens who does not understand how these things work. Qui ne comprennent pas comment ces choses fonctionnent. Spirituality is more real than physical la things. La spiritualité est plus réelle que les have choses you physiques. Have you passed through a place before? Est-ce que vous êtes déjà passé par un endroit? And the air on your in your body stands erect. Et la chair des poules vous attrape. And it's like your head is heavy. Et c'est comme si votre tête devient lourde. In those places, à de tels endroits, spiritual traffics. Il y a des trafics spirituels. There are spirits in that area. Il y a des esprits dans les terres. That your spirit man et que votre homme can esprit testify of. Peut témoigner even though de cela, physically you are not seeing them. Physiquement vous ne le voyez we pas. We are more spiritual than physical. Spirituels que physique, but que we don't seem to understand how to engage the spiritual component. Comment engager le composant spirituel? Has it happened to you before? Est-ce que cela s'est produit déjà? Sometimes the thought of somebody comes to your mind. Parfois la pensée de quelqu'un vient. And in less than 5
5 minutes, et en moins de 5 the minutes, person calls you vous or knocks at your door. Why is it so? Your spirit man has already caught the signal, a déjà reçu le signal in the world of the spirit. Dans le monde spirituel, there was already a connection. Il y avait déjà une connexion. That was why the person called c'est us at the time he called you. Vous appelez à l'heure qu'il vous appelait. What are we saying? Qu'est-ce que nous disons? Man is mainly a spirit. L'homme est principalement esprit. That has a soul. Qui a une âme. And lives in the body. Et qui vit dans un corps. So we are more spiritual than physical. Alors nous sommes plus spirituels que physiques. But because we have neglected this knowledge for too long. Mais parce que nous avons négligé cette connaissance durant. We have taken for granted this understanding for too long. Parce que nous avons pris à la légère cette compréhension. So the wicked one has even taken advantage of that to use it against us. Alors le méchant en a pris avantage pour l'utiliser contre nous. If you live all your life si vous vivez toute in votre the vie, physical, dans le physique, you have no place and no chance in this wicked world. Vous n'avez aucune chance et aucun endroit. Because life is more spiritual than physical. Parce que la vie est plus spirituelle que physique. What are we saying? Que disons-nous? You need to understand. Nous avons besoin de comprendre. That life que la vie is first spiritual. Est d'abord spirituelle. Before it is physical. Avant que cela ne devienne. So if you don't take time. Alors si vous ne prenez pas le temps. To handle the spiritual aspect. De gérer l'aspect spirituel, you may run into trouble. Vous serez dans les problèmes. Now, the fact is this. Alors, la vérité est celle-ci. God is not the only one that gives blessings. Dieu n'est pas la seule personne qui donne la bénédiction. The devil also assists and aids people to get blessings. Le diable aussi assiste et aide les gens à obtenir des bénédictions. But when we are talking of the blessing, the success that is devoid of sorrow. Mais lorsque nous parlons de la bénédiction et du succès qui est dépourvu that does not have evil repercussions. Qui n'a pas de mauvaises répercussions. It is only God that can give you that. Seul Dieu peut vous donner cela. The word of the Lord speaking. He said the devil has come to kill, to steal, to destroy. He said, but Jesus speaking, he said, I've come to give you life and to give it to you in abundance. Whatever the devil gives you, he will collect times 7 back from you. Whatever he gives you tout ce qu'il vous donne cannot last long. Ne peut pas durer longtemps. Whatever he gives you, tout ce que le diable vous donne, he will give you something small to exchange something big and collect bigger things from il your life. Il vous donnera une petite chose pour échanger afin de récupérer des grandes choses de so votre going vie. Near the devil, alors s'approcher du diable, going near negative spirit to collect blessing or to succeed, s'approcher des esprits négatifs always afin de have repercussions. A toujours des répercussions. In the beginning, they will not tell you the complete truth. Au commencement, on ne vous dira pas la vérité totale. It is after you have entered into it. Que vous soyez rentré you dans may start losing choses, your children. Vous allez commencer à perdre you vos may enfants. Lose your wife. Vous pouvez perdre votre épouse. But in the beginning, they will not mais tell au commencement, on ne vous dira they will rien give you du the success. On vous donnera le they succès. Will give you the prominence. On vous donnera les they choses. Will make you great. On vous rendra grand. But they will attach plenty of sorrow mais to ils it. Attacheront plusieurs amertumes. But God, mais Dieu, Jehovah God, Jehovah Dieu, through our Lord Jesus Christ, à travers notre Seigneur is the Jésus only Christ, one who makes it rich. Il est la seule personne qui rend who riche. Who makes people to succeed. Qui fait en sorte que les gens réussissent. Adding sorrow to sans it. Pourtant ajouter l'amertume à cela. Without adding sorrow to it. Sans pourtant ajouter l'amertume à so cela. What are we saying? Alors que disons-nous? Be more conscious. Soyez plus conscient. That life is more spiritual. Que la vie est plus spirituelle. Than physical. Que physique. Don't live all your life in the physical. Ne vivez pas toute votre vie dans le physique. If not, you'll be stranded in life. Sinon, vous serez stoppé dans if la vie. If not, you'll be so limited in sinon, life. Vous serez limité dans la if vie. If not, there'll be barriers sinon, on your route. Sinon, il y aura des obstacles that you may et des barrières never be able to overcome. Et que vous ne serez pas en mesure but from today, by the Spirit of the living God, the same power that brought Jesus from the grave, la même puissance qui a ramené Jésus that resurrection power, cette puissance de résurrection, you are coming out of every bondage of life. De toute limitation every de la vie. Demonic warehouses, toute maison démoniaque, every satanic bank, toute banque satanique, where they have caged your blessings and your breakthrough and your success, stocké votre succès, we command them open in the name of Jesus. Ouvert au nom de lift Jésus. Up your heads, all you gates. And be lifted up the everlasting doors that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord God strong and mighty. Mighty in battle. In the name of Jehovah El Gibor, we command the
release of your blessing and breakthrough in the name of Jesus. Wherever you have been bound, come out in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. Excel in the name of Jesus. Cross barrier in the name of Jesus. Break limitation in the name of Jesus. What are we saying this morning? Be more conscious. Soyez plus conscient of your spirituality. De votre spiritualité. Be more conscious. Soyez plus conscient that success que le succès is more spiritual est plus spirituel than physical. Que physique. Inability to keep a regular job. L'inhabilité de garder un travail. You are earning so much income and yet you don't have financial stability and sufficiency. Vous gagnez un grand salaire mais malgré cela vous n'avez pas la stabilité financière. Each time you obtain a testimony, the testimony will take something also good from your life. Reversal of testimonies. Chaque fois que vous avez un témoignage, ce témoignage va encore retirer quelque chose de bon dans votre vie, le change des you choses. Are involved in multiple accidents. Vous êtes engagé dans plusieurs accidents. As you are involved in this accident, vous êtes accident, victime de l'accident à la maison. Highway accident. Vous êtes victime de almost all the time. Presque toutefois. Recurrent sickness. Des maladies qui se répètent. Once you make little money, une fois que vous avez until the money finishes, tant que l'argent ne termine, the sickness will not finish. La maladie ne peut pas terminer. Sorrow and disaster at the point of your blessing. L'amertume et les désastres au point de votre bénédiction. Frequent attack by thieves and fraudsters. Les attaques répétées par des voleurs. Having dream of attack, dream of poverty. Avoir see yourself wearing rags. Des attaques et de pauvreté. Vous voir en train de porter bathing des rayons. Naked in the open. En train de vous doucher. Seeing yourself in your whole family house. Vous voir dans votre maison familiale. Being attacked by evil birds and evil animals in your dream. Être attaqué par des mauvais oiseaux dans votre rêve. Vomiting on yourself in the dream. Vomir sur vous-même dans le rêve. Finding yourself in coffin or eating with the dead. Vous trouvez dans un cercueil ou en train de manger avec des personnes mortes. Falling from the top of a hill. Tomber depuis la montagne. Walking barefooted in the dung hill and garbage dump centers. Être en train de marcher sans chaussures et en train de manger. Eating spoiled food. Manger des nourritures qui sont being chased by evil forces or dead people in your dream. Être poursuivi par des personnes méchantes. Finding yourself lost in a jungle. Vous trouvez perdu dans une forêt. Or trapped in a prison house. Ou encore attrapé dans une prison. Failure of exam in your dream. Échouer à vos examens dans vos rêves. Dreams of finding yourself in graves and tombs. Les rêves de vous trouver dans des tombes. Bedwetting. Vous êtes en train sleeping de with strange men and women in your dream. En train de coucher avec des femmes de nuit ou des hommes. These are all pointers. Ceci sont des points that your success has some satanic undertone that if you must succeed, you must deal with these forces of failures. Tous ces rêves sont des points qui montrent que votre succès a des choses spirituelles qui sont en train de menacer cela. These occurrences and dreams reveals that there is a cause of poverty or failure. Your life and your destiny. Ces rêves sont en train de révéler qu'il y a une malédiction de pauvreté autour de votre vie que vous devez traiter. Because dreams are spiritual monitors. Parce que les rêves sont des écrans spirituels. They reveal to us the enemies behind the scenes of our life. Ils révèlent les ennemis derrière la scène de notre vie. They show us the forces behind the mask. Ils nous révèlent la scène des personnes derrière le masque. They reveal the true reality of who we are, where we are coming from, what is around us and the people around us to us. Les rêves nous révèlent la vraie réalité de qui nous sommes, des personnes autour de nous ainsi que des endroits. So we must not take our dreams for granted. Alors, nous ne devons pas prendre nos rêves à la légère. Because it's a medium of spiritual communication between God and us. Parce que c'est un moyen de communication entre Dieu et nous. That is God sending signals to us. C'est Dieu qui nous envoie des signaux. Telling us do something about this. Il nous demande de faire quelque this chose. This area of your life needs spiritual attention. Ce côté de ta vie a besoin d'une attention. It's time to wage war against the force of opposition. C'est le temps de livrer bataille avec ces forces d'opposition. So we don't take them for granted. Alors nous ne devons pas les prendre à la légère. And we don't take these occurrences for granted. Et nous ne prenons pas aussi ces événements à l'échelle. Et nous disons que c'est une coïncidence. It's just happening. Non, cela se produit. Why must it be happening now? Pourquoi que cela doit why must it be a coincidence now? Pourquoi que cela doit être une coïncidence maintenant? It means you have to do something. Cela veut dire que vous devez faire quelque chose. Now I want you to listen to what I'm saying this morning. Je voudrais que vous puissiez écouter quelque chose ce matin. A woman came to my office about 17 years ago. Une femme est venue dans mon bureau, ça fait déjà 17 ans de cela. She is a banker. Elle est banquière. The husband is a banker. Son mari aussi travaille à la the banque. The husband lost his job. Son mari a perdu son travail. And after 6 months, et après 6 mois, she also lost her job. Elle aussi a perdu and son travail. And both of them looked for a job for almost 1 year. They couldn't get et a job. Toutes deux ont cherché du travail pendant plus de they six mois. They have done all they know how to do.
Ils ont fait tout ce qu'ils savent faire. They couldn't get job. Ils n'ont pas pu avoir un nouveau travail. When the lady came to me, et maintenant la femme est venue vers moi. I said to her, je l'ai dit. You don't destroy a tree by cutting the stem. Tu ne détruis pas un arbre en coupant ses branches. To destroy a tree, pour détruire go un arbre, to the root of the tree. Va t'attaquer yes, à sa racine. It may take you time. Oui, cela peut te prendre to du temps. Dig pour pouvoir creuser and cut the root. Et pouvoir couper les racines. But be patient. Mais soyez patient. Go to the root. Va à la racine. If you cut the stem, si vous coupez seulement it les branches, will grow again. Ça va encore grandir. That sickness will not grow again. Cette maladie ne grandira that plus. That trouble will not grow again. Ces troubles ne grandiront plus. Because whatever the Lord has done, parce que ce que l'Éternel shall a be fait forever in your life. Serait permanent dans in votre the vie. Name of Jesus. Dans le nom de Jésus. But sometimes, mais quelquefois, you have to dig deep. Vous devez creuser to know the root of the matter. Pour connaître la racine, to know the foundation la of that problem. Pour découvrir to know the spiritual root of that affliction. Pour découvrir la racine spirituelle de ce problème. And I gave her 3 days fast. Et j'ai donné 3 jours de jeûne. And I said because dream is a medium of God revealing things to us. Et j'ai dit parce que le rêve c'est un moyen que Dieu utilise pour as nous révéler. As you are fasting, be conscious. Pendant que tu es en train de and let's hear what the Spirit of God will say to you. Et voyons voir ce que the third day she returned back. Le troisième jour elle est revenue. And I said, has God spoken? Et je lui ai dit, est-ce que Dieu t'a parlé? He said, God didn't say anything. Elle m'a dit, Dieu m'a rien. Has God revealed anything to you? Est-ce que Dieu t'a révélé quelque chose? He said, God didn't reveal anything. Elle dit, Dieu ne l'a rien révélé. He said, but sir, wait. Mais elle dit, God reminded me. Mais Dieu m'a of a dream I had long time ago. Que j'avais eu pendant longtemps. I said what? J'ai dit quoi? What was the dream? C'est quoi le that rêve? God reminded you of? Dont Dieu t'a that you had long time ago. Et que tu avais longtemps. He said I was walking on the street. Elle dit j'étais en train de marcher dans and une there was a masquerade coming in my direction. Et il y avait un esprit qui venait vers moi. He said the masquerade eat my chest. Et ce fantôme a with frappé his own ma chest. Poitrine avec sa propre poitrine. And I woke up. Et je me suis réveillé de mon rêve. Immediately I got it. Et immédiatement j'ai reçu. I got it that there must be a masquerade shrine. J'ai compris qu'il y a peut-être une mascarade or a masquerade spirit ou encore un esprit that is behind the ordeal of our life. Qui est derrière les événements de sa vie. So you see, the two of them has become one flesh, the husband alors, and wife. Voyez-vous, elle et son mari sont devenus une seule chair. So most of the times, alors la plupart des whatever fois, the woman is suffering, ce que la femme est en train de souffrir, because the two of them are one now, parce que les deux sont, the husband will suffer the same. Le mari aussi souffrira des mêmes so choses. I now discover alors, that the loss of job, que la both by the husband and the wife, du mari et de la femme, at the root of it, à la racine de ça, is the spirit of masquerade. C'était l'esprit so de I ask her, alors, je l'ai posé la do question, you people have masquerade shine in your family? Est-ce que vous avez des hôtels des mascarades dans votre famille? She said no. Elle dit non. I said go back to your mother. Et je lui ai dit va chez ta I mère. I know you are born again. Je sais que toi you tu are es a Christian. Et tu es chrétienne. But go to your mother. Mais va ask chez ta mère. Ask your mother. Pose la question if à ta there's maman. Any masquerade shrine. S'il y a un hôtel de mascarade dans that votre you famille, people serve. Que vous vous servez. So she went to the mother. Elle est partie vers sa mère. The mother said, "There's no masquerade shrine." Et la maman dit qu'il n'y a aucun hôtel de mascarade. But the Holy Spirit reminded the mother. Mais le Saint-Esprit a rappelé sa mère. That when this same lady was young, a little baby of 2-3 years. Que lorsque cette sœur était un petit bébé de 2 ans. She used to have convulsion. Elle avait l'habitude d'avoir convulsion. Convulsion. The young woman used to have convulsion as a little baby. La femme avait une maladie particulière. And so at that moment, donc à ce moment, the mother was afraid. La maman était that effrayée. Possibly she would die. Que possiblement elle peut mourir. They took her to a masquerade shrine. On l'a emmenée vers un hôtel de and they make incision on et her on body. A fait des incisions sur son corps. Don't forget that the life of the flesh is in the blood. N'oubliez pas que la vie de la chair se trouve dans so le when sang. They make incision, donc lorsqu'ils ont fait blood des incisions, is released. Le sang est relâché. That is the life of the person. Ça c'est la vie de la personne. And so she has been convenanted to masquerade shrine unknowingly. Elle a été mise en alliance avec cet hôtel inconsciemment. And whosoever you are convenanted to, et que toute personne avec qui vous êtes en alliance direct their affairs at the event of your life. Dirige les événements et les affaires de votre vie. The spirit of that shrine, l'esprit de cet hôtel, controls the life of the man. Contrôle la vie de la personne. And I said, can you see where the problem came from? Et je l'ai dit, tu peux voir là où le problème then vient. We prayed, alors nous avons prié. We broke the covenant. Nous avons brisé l'alliance. It has to be done consciously. Cela doit être fait consciencieusement. You don't just say I'm born again. It's vous not. Vous ne pouvez pas seulement dire que je suis né de nouveau. It matters. Non, cela you est important. Consciously break it. Consciencieusement, vous brisez when you cela. Look at the Holy Scripture, lorsque vous regardez les Saintes Écritures, God spoke to Gideon.
Dieu a parlé à He said, you are a mighty man of valor. Il dit, tu es un homme puissant. I'm going to do great things in your life. Je vais faire des grandes choses dans votre vie. But at the end of the day, mais à la fin, God said to Gideon, Dieu a dit à Gideon, go back to your father's house. Repars dans la maison de destroy ton père. Destroy the altar there. Détruis l'autel qui s'y trouve. If not, what I've said now, sinon ce que je t'ai dit maintenant, may never come to pass. Ne viendrait pas. May remain as child's play. Va rester comme un go amusement. Go back to your father's repars house. Repars dans la maison destroy de ton père. Destroy the altar there. Qui and raise another altar. Et élève until Gideon did that. Jusqu'à ce que Gédéon l'a fait. The prophecy of God concerning his life did not come to pass. La prophétie de Dieu concernant sa vie n'est jamais venue à la. So we pray, we broke the covenant. Alors nous avons prié et brisé cette alliance. And she was free. Et elle était libre. The husband was free. Le mari était libre. And they got better jobs. Et ils ont obtenu un autre travail. No matter what you have lost. Peu importe ce que vous avez perdu. I'm speaking to you prophetically this morning. Je vous parle de manière prophétique ce matin. It's your season of restoration. C'est votre saison de restauration. He said what the caterpillars eaten. What the cankerworm and the pamarum has eaten. Ce que ces insectes ont mangé et dévoré. He said shall be restored. Il dit cela vous serez restauré. He said and my people shall eat in plenty and be satisfied. Il dit, mon peuple va manger dans l'abondance and they shall not be ashamed. Et ils ne seront pas honteux. Your season of shame is over in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I met another man. J'ai rencontré un autre. He ran to my office crying. Il est venu dans mon bureau pleurant. A big man in the church. Un grand homme dans l'église. Big man. Un grand homme. He is a lawyer. Il est avocat. And a politician. Et aussi politicien. And he was crying. Et il pleurait. So I said, what is the problem? Et je lui ai dit, c'est quoi he le says, problème? I can't hide this from you anymore. Il dit, papa, je ne peux pas te I'm tired. Je suis fatigué. What is the problem? C'est quoi le problème? He said, each time I get a contract, chaque fois que j'ai un contrat, I do business and there's big money. Je fais des activités et je reçois I will un use contrat. My car to kill somebody. J'utilise ma voiture pour or tuer quelqu'un, to wound somebody. Ou encore pour blesser quelqu'un. Until I finish spending all the money. Et jusqu'à ce que je vais finir l'argent que j'ai reçu par le contrat pour traiter la personne. To appease the family, ou encore pour rembourser la famille. As soon as the money is finished, quand l'argent est terminé, normal life will start again. Ma vie normale va reprendre. It has happened several times. Il dit que cela s'est produit de manière récurrente. And I looked at her. Et je lui ai regardé. And I asked him. Et je lui ai posé la question. Is there any shrine in your family? Est-ce qu'il y a un hôtel dans votre famille? Do you have any priest in your family? Est-ce que vous avez un sacrificateur des autels? Because I understood what parce was happening. Parce que j'avais compris ce qui se passait. He said yes. Il m'a dit oui. This 21st century. Dans ce 21e siècle. Who worship idol now? Qui adore les idoles maintenant? They said I'm the next one that should be the priest of the il of dit, the of the of the. Je suis of, censé être la personne qui devait être they le. They told me when I was young. On me l'avait dit lorsque I told them nonsense. Et je leur ai dit n'importe nobody quoi. Nobody serves idol at this personne late. Personne ne sert encore des idoles dans ce 21e siècle. He has forgotten. Il a oublié. That it is priesthood for priesthood. Que c'est la sacrificature pour if la sacrificature. If you will not be a priest of a demon. Si tu ne veux pas être sacrificateur d'un you démon, have to be a priest of the living tu God. Tu dois être sacrificateur du Dieu. Just like the Levites. De la même manière que les Lévites. They were cursed by their ils father. Ils étaient maudits par leur père. The way Reuben was cursed. De la même manière que Reuben the Levites était maudit. Too were cursed. Les Lévites aussi étaient but maudits. But when Moses came, mais lorsque Moïse and said, "Who will carry the ark of the Lord?" Il a dit qui va porter who is on the Lord's side? Qui est du côté de l'Éternel? The Levites agreed. Les Lévites étaient d'accord. To become the ark bearer. Ils devenaient les personnes qui and vont porter l'arche. And the curse upon their lineage was broken. Et la malédiction sur leur lignée était brisée. So I said to the man, alors if you must be free, si tu dois you must libre, make up your mind tu dois te décider to be completely committed. D'être complètement not just engagé, going to church on Sundays. Non pas seulement aller à l'église les it dimanches. Is dedication for dedication. C'est la dédication. You have to now dedicate yourself tu dois dédicacer ta vie to the true and the living God. Au Dieu and vivant. Immediately he went to Bible school. Et immédiatement il est allé he à l'école. He remained committed to God. Il est resté engagé and à Dieu. The yoke was broken. Et le joug était brisé. He said it shall come to pass on that day. That the burdens shall be lifted from thy shoulders and the yoke from thy neck le joug sera brisé by the anointing par in the name of Jesus Christ au nom de Jésus the Son of the living God le fils du Dieu I decree and declare je déclare et je every décrète, yoke around your neck joug autour de votre every cou, yoke around your waist joug autour de every reins, yoke around your feet joug autour that de is making you to roam around in the market square of life vous emmène de rouler that sur makes you to take one step forward and 20 backwards. They are broken in the name of Jesus. It is possible. C'est possible. You can be
set free. Tu peux être libre. For example, whosoever the Son of God has set free, parce que la Bible déclare que celui que shall be free indeed. Your liberty is established in the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. What are we saying? Que disons-nous? It is time. C'est le temps. It is the season. C'est la saison. For your total restoration. Pour votre restauration totale. But you must be more conscious. Mais vous devez être that beyond principles, au-delà des principes, beyond hard work, au-delà du dur travail, you have to look at the Father of all spirits. Vous devez regarder le Père de tous les esprits. And cry for mercy. Et pleurer pour la miséricorde. Peradventure is as a result of the covenant your grandfathers has entered on your behalf unknowingly. Il se peut que ce que vous souffrez est le résultat des alliances que vos pères sont rentrés. Or the covenant you have entered to, knowingly or unknowingly. Des alliances que vous. Or evil dedication on evil altars. Encore des alliances que vous-même êtes rentré inconsciemment for par God la dédicace sur des mauvais hôtels. To deliver you. Mais Dieu doit vous délivrer. Because of our time today. À cause de notre temps aujourd'hui. We may not be able to go further than this. Nous ne serons peut-être pas en mesure d'avancer. By the special grace of God. Mais par la grâce spéciale by de Dieu. By next week Tuesday. Le mardi prochain. We continue from where we're stopping. Nous allons continuer de là où nous sommes arrêtés. But I believe God with mais you. Mais je crois en Dieu avec vous. He says, can the lawful captive of the mighty be delivered? Il dit, est-ce que les proies du puissant seront délivrées? Will the prey of the terrible be taken away? Est-ce que les proies du puissant seront ôtées de ses mains? But he said, mais il dit, the lawful captive of the mighty shall be delivered. Les prisonniers seront délivrés. The prey of the terrible shall be taken away. Et la proie du puissant lui sera arrachée. He said, I will save you. Il dit, je vous sauverai. And save your children. Et sauvera vos enfants. That shall be your testimony. Ceci sera votre témoignage. Your time of salvation has come. Votre temps de salut est arrivé. But let me ask you. Mais laissez-moi vous have poser you accepted la question. Jesus? Est-ce que vous avez accepté Jésus? As your personal Lord and Savior. Comme étant votre Seigneur. He is the head of principalities and powers. Il est la tête des principautés. All things are made by him. Toutes choses sont faites all par lui. Things are made for him. Et toutes choses sont faites at pour the lui. Mention of his name. À la mention de son every nom. Every knee must bow. Tout genou doit fléchir. Of things in heaven. Des choses dans les cieux. Of things on earth. Des choses sur la terre. Of things beneath the earth. And every tongue must confess. Et toute langue doit confesser. That Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. To the glory of God the Father. À la gloire du Dieu le Père. Have you embraced Jesus? Est-ce que vous avez déjà embrassé Jésus? Have you made him your Lord and your Master? Est-ce que vous avez fait de lui votre Seigneur et if votre Maître? If you have not done that, si vous ne l'avez pas encore that fait, that is the beginning of your deliverance. C'est le commencement de votre say délivrance. Say this prayer after me. Répétez cette prière Lord avec moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I believe you died for je me. Je crois que tu es mort pour and moi. And on the third day, et au troisième jour, you resurrected. Tu as ressuscité. I believe you shed your blood. Je crois que tu as versé ton sang. For the remission of my sins. Pour la rémission de mes péchés. Forgive me my sins. Pardonne-moi mes péchés. Cleanse me from unrighteousness. Lave-moi de toute injustice. Every covenant, toute alliance, I've entered into, que je suis rentré, knowingly or unknowingly, consciemment ou inconsciemment, any covenant, toute alliance, that my parents has entered into, que mes parents sont entrés, on my behalf. Pour moi, by the power in your name, par la puissance dans I ton nom, break loose from them. Je brise from cela. This hour, et à partir de be heure, my Lord, sois mon Seigneur, be my Master, sois mon Maître, lead me, dirige-moi, guide me, guide-moi, for the rest of my life, pour le restant de ma vie. Thank you for saving merci me. Merci de m'avoir in sauvé. Jesus' mighty name. Au nom puissant if de you Jésus. Have prayed the prayer with me, si vous avez fait cette prière avec you moi, are saved. Vous êtes sauvé. Look for a Bible-believing church. Cherchez une église qui est basée where you can learn more about God. Là où vous pouvez apprendre plus de Dieu, where you can learn the principles of là où the kingdom, vous pouvez apprendre les principes du royaume, and where you can be prepared for eternal et là où vous pouvez être préparé pour la vie éternelle. The Lord bless que le Seigneur vous bénisse. Till we come away your way again next week. Et jusqu'à ce que nous reviendrons vers vous le keep mardi prochain. Succeeding. Continuez à réussir. Expect 11th hour miracle. Espérez le miracle you de can la reach us on this telephone number. Vous pouvez nous joindre à travers ce numéro de téléphone. 91 93 86 96 91 93 86 49 94. God bless you. Dieu vous bénisse. In Jesus name. Au nom de Jésus. We love you. Nous vous aimons. Jesus love you more. Et Jésus vous aime le plus. Amen. Amen. I'm waiting for your testimony. J'attends